Salut tout le monde, c'est Mangacard. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'ouverture d'un deck Miracle Battle Cardass. Et c'est le Dragon Soul Legend qui est sorti en 2010. Donc il est super grand, c'est pour ça que je tiens la caméra. Et je vais l'ouvrir à côté, puis je vais vous présenter les cartes. A tout de suite. Et me revoilà. Alors, j'ai pas pris mes sleeves comme d'hab. En fait, ça se présente sous forme de deux paquets. Voilà. Ça, ce sont les cartes exclusives donc au Trial Deck. Donc le 1, 2, 4, 2, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, je vais commencer. Je les mettrai pas tous sous sleeve directement. Il va falloir que je fasse attention. C'est quand même sorti en 2010. Donc, il y a une carte. Ce que je disais, ça c'est la carte exclusive. Donc, au deck. Donc, carte exclusive. Donc, un Trunks super guerrier. Là, je vais mettre au moins une des cartes exclusive sous pochette, comme ça au moins celle-là elle est pas abîmée. Alors il y en a une, on a une deuxième, d'accord. Ensuite ça c'est quoi, il y a donc des cartes ça doit être des cartes rééditées. Donc un Goku et un Freezer, donc c'est effet métal, hein, c'est là et là c'est le drame. Ah, ça, donc voilà, et une autre carte de Goku. Donc ça c'était premier pack. Ça va être un peu compliqué tout ça, hein. Donc pack numéro 2 avec un Vegeta qui est très bien dessiné, quoi. Donc là, il y a du spoil. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, voilà. On a donc notre Vegeta. J'ai réussi quand même à trouver ce vieux deck. Je pensais jamais l'avoir. Et finalement, ben si, j'ai réussi à le trouver. Du coup, bon, ça se trouve sur YouTube, hein, il y a déjà des gens qui l'ont ouvert, hein, mais bon, hein, je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter aussi. Donc un Vegeta, un deuxième Vegeta. C'est un truc spécial Vegeta. Bon, désolé des reflets. Hein. Et un Goku Kaioken qu'on a en deux fois. Mettre tout ça sous sleeve après, ça va être compliqué. Donc, pack numéro 3. Oh, elle est classe. Un Goten. Oh putain, elle est vraiment classe. Mettre sous pochette. Donc on a un Goten, Yajirobe, et donc on a deux fois un Goku qui traverse Piccolo, qui est vraiment super joli. Ce qui est chiant avec ces cartes, c'est que elles se rayent super vite, quoi. Et ça se voit sur ce genre de cartes. Donc, un Goku
qui met le point en avant comme le Vegeta. Ça, c'est cool. Allez. Donc le Goku en deux fois. On a un Goku fatigué après son entraînement. Direction planète Namek. Et Goku et Freezer en deux fois. Waouh, super joli. Le Sangohan ado, enfin contre Cell. Hop, tiens, on l'a encore une fois. Bizarre. Et petit cœur qui protège Sangohan en deux fois. Mettre aussi sous sleeve, là. Hop. Allez. Pouah, classe. Gohan contre Dabla. Cette tenue-là. Vraiment super jolie. En deux fois, bien sûr. Un Yajirobe qu'on a déjà eu. Pouf, et un Vegeta. Oh, super guerrier qu'on a deux fois ici. Une sleeve. Désolé, hein, je sleeve pendant la vidéo là, présentation, mais vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, sinon j'ai peur d'abîmer les cartes exclusives. Enfin, en tout, elles sont toutes exclusives, quoi. Sauf que il y a des rééditions qui apparaissent. Avec un effet métallique. Pouah là là, elle est classe. Un Trunks. Oh là là. Quand il élimine Freezer. Donc un deuxième. On a un nouveau Vegeta. Et Tortue Géniale qui fait peace. Et la dernière, le dernier petit pack. Peut-être mis à l'envers. Voilà, là. Trop la classe. Broly, quoi. Vraiment super jolie cette carte. Un autre Broly. Ginyu. Krillin. Qu'on a en deux fois. Voilà. Ça, c'était à toutes les cartes exclusives plus les rééditions en effet genre métal. Ouais. Donc en plus c'est genre super rare quoi. Effet super rare alors qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et je cherche, je sais pas où je l'ai mise. Ah, elle est là. Et ça c'est la carte qui fait acheter le coffret quoi, bien sûr. Végéto donc Oméga 0 qui est déjà en fait scellé de base et ça c'est cool que soit déjà scellé de base. Donc, voilà présentation du deck. Bon, bien sûr, il y a une sorte de oups, il y a des jump power, il y a un tapis de jeu. Je sais même pas ce qu'il y a. Ça, c'est genre la pub de merde. Bref. Et le livret de règles en couleur. Enfin, voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas justement à liker, commenter et à vous abonner. C'est gratuit. Voilà. Je mets ça n'importe comment. Voilà, à me suivre sur Facebook
Et ouais, bon, j'ai ça comme ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!